Camarades, peuple d'Afrique, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas, on l'a fait, on l'a réussi, on l'a confirmé. Il n'y a rien en face. Frère, regardez vous-même les images. Moi, il ne parle pas. Moi, je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, on est parti, chers camarades, peuple d'Afrique. La France a un droit de rattrapage dans ce qui se passe dans notre pays. Il y a plus de 10 ans, il y a plus de 10 ans, nous marchions encore sur cet itinéraire. Il y a encore plus de 10 ans, nous interpellions l'opinion publique française sur les dérives des agissements politiques injustes, fallacieux de la République française dans nos pays et notamment en Côte d'Ivoire. Oui, chers Françaises, la vie n'est pas un sentiment anti-français. Chers Françaises, la vie, nous avons la première de responsabilité. Pour que les individus considérés comme citoyens, on va dégager. Parlez fort. Le message est porteur. Ah ouais, c'est fort. Pour la liberté de l'Afrique et pour la liberté de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant. Oui, Alassane Draman Ouattara, on ne sait de par quel sophiste juridique exclut, retire, enlève le nom du président Laurent Gbagbo sur les listes électorales. C'est pour cela les Africains, les Ivoiriens, conscients de ce que le président Gbagbo seul peut ramener la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, marche aujourd'hui pour exiger, pour demander la réinscription de son nom sur la liste électorale. Par contre, du monde qui sont assis là en train de nous filmer. Mais on va vous demander droit d'auteur. Hein? Il est chaud. Nous sommes là parce qu'il y a un dictateur à la tête de la Côte d'Ivoire. Ah, il est dictateur. Hein? Il détruit les domiciles des citoyens sans les déménager, sans les reloger, sans les indemniser et même sans les informer. Est-ce que tu t'attends là qui veut s'imposer en tant que Côte d'Ivoire? Est-ce que tu t'attends là qui veut arracher en tant que Côte d'Ivoire la liberté de choisir qui vient en 2027? Il a retiré en arme conscience. Il a retiré le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Alassane Draman Ouattara a retiré le nom du président Laurent Gbagbo, son principal opposant de la liste électorale. Il veut aller seul aux élections en 2025 pour prendre le pouvoir et s'imposer aux Ivoiriens. Bravo, finaliste! Bravo, finaliste! Bravo, finaliste!
Donc, camarades, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Les Waworo, là. Oh, ils ont parlé, ils ont fait d'Abashi. Ah, va aller. Vous n'avez pas sorti. Ah, ça sera un front. Ça sera la guerre. Ils ont eu honte. Ils ne sont pas sortis. Ils ont porté plainte contre tous. Tous les Waworo. Et d'ailleurs, je vais vous donner l'information. Il y a un Kodjougou qui avait poignardé quelqu'un. Il y a longtemps, la police le recherchait. Et aujourd'hui, il est parti sur les lieux. Il ne sait pas qui voulait poignarder. Mais avant d'arriver à la personne, la police l'a déjà récupéré. Et la police l'a arrêté. Je vous ai dit, bon, on connaît là. Ne vous amusez pas avec moi. Ne vous amusez pas avec moi. Si tu t'amuses avec moi, c'est que si tu mets de l'aversion ou bien de la haine dans ton cœur contre moi d'une manière, si tu fais attention, tu vas faire un accident. C'est une réalité parce qu'il y a Dieu dans cette affaire de Borokoné. Il y a Dieu dans cette affaire de Gbagbo. Il y a Dieu dans cette affaire de PPAC. Et en 2021, il n'y a pas de drame. Nous, on prend le pouvoir. Le seul hic qu'il y a eu, on a un camarade, on a des camarades qui ont été, qui sont plus de la tête un peu avec la police. Mais ça, demain, je vais revenir en long sur ça pour expliquer ce qui s'est passé. Mais dans l'ensemble, la marche a été une réussite phénoménale. Phénoménale. Mes amis d'ici et là m'appellent pour me féliciter. Mais ce n'est pas moi, c'est le PPAC, c'est Gbagbo, c'est le camarade représentant Pascal Lobo et toute son équipe. C'est nous qui avons fait ce travail. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, allez leur dire que ça là, c'est le début du commencement. Ce n'est même pas le commencement, ce que vous voyez là. Ce n'est même pas le commencement. Et ce n'est même pas la fin du commencement. C'est le début du commencement qui est là, là. Vous n'allez rien comprendre. Le 11 mai, on s'en va à Lyon d'abord pour aller mobiliser les gars. Quand on va dire le PPAC marche là, c'est les cas qui ont venu maintenant. Vous n'allez pas croire. Gbagbo, président de la Bicouan 2025, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de la Bicouan 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars.